Paternité. Paternité. C'est un joli mot. C'est l'espoir. C'est l'avenir. C'est poétique. Paternité. Nom féminin. Ça commence bien. Le dictionnaire vient de m'annoncer que les 18 prochaines années seront dirigées par la mère. Papa, papa, on peut aller au parc. À 19h ? Dans la nuit sous la pluie, ben là on ira demain. Oui, mais maman, elle a dit va voir ton père. Et moi je dis non. Pour y aller avec lui. Paternité, la paternité. Qu'est-ce que cela cache-t-il comme appréhension? Et je crois qu'à 6 mois de grossesse, oui mesdames, vous croyez quoi? Que nous ne sommes pas enceintes avec vous? C'est petit et facile comme raisonnement. Je ne passerai que très vite sur vos sauts d'humeur, vos larmes, même devant Castle, quand Richard dit à Kate, je t'aime. Et ça là, ce que je viens de dire, on regarde Castle quoi. Putain, si ça continue, on va terminer dans un sketch de Carlos Finroy, la télévision dans les couples. Je ne parlerai pas non plus de vos envies bizarres. Quoique, pour le moment, j'ai évité celle de Cray, si lu dans le blog Abiba. Je n'évoquerai pas non plus votre perte de capacité de vessie, non, d'autres ont fait carrière sur le pipi. Je voulais parler de l'appréhension de quitter un monde basé sur le « rien à foutre, on verra demain ». Vous savez, faire une introspection sur soi-même. Quand, peu importe le jour de la semaine, peu importe l'heure, peu importe avec qui, en un mot, peu importe tant qu'il y a l'apéro. Ce petit instant où ton chantier, ta salle de cours, ton chef de prod s'appelle Shime Maretsu ou Cuvée des Trolls. Comme disait le Che, El Che Guevara. Peu importe où nous surprendra la cuite, qu'elle soit la bienvenue, que notre appel soit entendu, qu'une autre main se tende prendre nos pintes, que d'autres hommes s'écroulent. Viens, viens en after, tiens, tiens un whisky, demain on s'en fout, on verra bien. Non, non, je ne peux point, je futur papa, le devoir de paternité, non féminin, prends-toi ça dans les dents! Voilà où je voulais en venir. Comprendre la différence entre samedi soir, 7h du matin, et dimanche matin, 7h. Je crois qu'en réalité, ceci est une capacité inouïe, ou devrais-je dire innée, de répondre à la question « Le père a-t-il de l'avenir ?» posée par l'excellentissime Alain Lefebvre dans son ouvrage « Des psychoses et de la paternité, études philosophiques et psychanalytiques du père ». Eh oui. Toute cette analyse psychologique m'amène à penser qu'en réalité, les comptines pour enfants, vous savez, celles où tu fermes à moitié les yeux et où tu prends la voix la plus idiote possible, possible. Ces comptines ont bien évidemment été écrites par des pères. Oui, des pères frustrés du si peu d'importance accordée à l'homme au sein de la famille. Frustrés d'être cantonné au rôle de ramener à manger, aller au champ, rapporter l'argent, frustré de ne pas être considéré plus que cela dans la vie de famille, dans la maison, dans les tâches ménagères. Et j'en veux pour preuve. Ne pleure pas, Jeannette. L'histoire d'une adolescente amoureuse de Pierre. Un tolard. Mais ses parents veulent la marier au fils d'un prince. Alors quand Pierre est pendu, Jeannette décide de se pendre à ses côtés. Et attendez, il y a pire. Jean Petit qui danse. Ce pauvre Jean, obligé de voler une pomme pour manger. Manque de chance, il se fait attraper. Jean Petit qui danse. Jean Petit qui se fait couper tous les membres jusqu'à ce que mort s'en suive. Tu m'étonnes qu'il danse.
Une dernière, pour rigoler. Il court le furet. Vous la connaissez, elle est facile. On la chante ensemble. Il court le furet. Nanana. Eh bien non! Contre Pétri, il fourre le curé, oui. Alors, je vais vous dire, je vais être un père du 21e siècle. À ma femme, à ma future fille, je vous aime plus que tout. Et ensemble, en route pour cette magnifique aventure qu'est la famille. Merci beaucoup.